Bonjour à tous, c'est Sanayru, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode, il me semble que c'est le 10, j'ai trop de mal avec le numéro. L'épisode 10 de mon let's play sur Banjo-Kazooie. Alors, la dernière fois, on a débloqué un nouveau monde, mais comme je vous l'ai montré là... Marie-Moisie, c'est bon, pic polaire, il nous manque une pièce de puzzle. Et en fait, on avait besoin du mouvement qu'on a trouvé, dans le monde du désert, dans la vallée de Gobi, pour pouvoir aller la chercher. Il y a également une pièce de puzzle qu'on a débloquée. Et en plus, je suis en train de tout refaire à pied, alors que j'avais de dispo le TP, très bien, qui m'a mis pile au bon endroit. Faut être mongole quand même. Ça me saoule ce bug. Ce vieux bug pourri. Ouais, par là. Celle-là, elle est compliquée en plus. Je sais que c'est pas exceptionnellement facile. Donc en fait, le deal, c'est que là, on va activer une dalle de vol pour aller chercher la pièce de puzzle qu'on a débloquée tout en haut. Je sais pas si on vous rappelle. On pourrait la chercher, faut se grouiller le cul. On parle de la malchance ou pas? On va recommencer, c'est pas grave. Déjà je vais le tuer lui parce qu'il sera pas dans le chemin comme ça. Voilà. Il ne m'embêtera plus. C'est pas ouf. C'est pas là. C'est assez compliqué. Enfin, le coup de main est... Et je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Ça serait là. Ça va, on laisse plus. Ok, bon, on va recommencer, hein, parce que peut-être foutu de prendre des futurs. C'est vraiment très très court. Hein. Réussi à une demi-seconde près. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un trou exprès pour passer en haut. Super! C'est mon jeu préféré, hein. J'avais jamais tilté. Ça semble logique toutefois. Ah, ça a pas compté. Ça l'a pas gardé, j'ai fait pour rien. Ok. Gros rip. Mais comment ça se fait qu'elle ne glisse plus? Ah, attendez. Il y a sacrément un truc qui cloche. Ah mais non, ok, d'accord, ok. C'est pas la bonne et j'ai stressé. Je me suis dit, je sais trop quoi. Ok. Bon, il nous reste une pièce de puzzle dans celui-là. Donc on y va. Woo!
un creux mollet par contre. Allez. Et l'ami, on fait la course. Appuie sur A pour accepter ou B pour te dégonfler. Bah, voici les règles. Bah, c'est pareil que tout à l'heure en fait. Sauf que cette fois, on y va en ours. Enfin, tout comme tout à l'heure, que l'épisode précédent. Une tonne d'en plus. Je trouve que ça c'est beaucoup plus maniable et beaucoup plus sensible que le mort. On va prendre de la vente en tout temps. C'est honteux quand il me rattrape alors que le masse est fort. Et là le problème c'est que si on tombe dans l'eau on est foutu. Arrête! Arrête de me bousculer putain! Le plus chou. Super. Super. Ok, j'ai perdu les loose. Les loose à cause de cette connerie. Oui, la win. Je m'ai raté deux. Je m'ai raté deux. On va s'y reprendre à deux fois. Ça me fait perdre une vie ou pas? Retente ta chance. Vas-y, vas-y, on recommence. De ralentir cette fois, c'est pas vrai. Ce gros mytho, il va rien ralentir du tout. Tu traînes, mon pauvre ami, c'est ça. Que dalle, je traîne rien du tout. Oh mon dieu. Je sais qu'elle n'arrive pas à voir où je suis quand c'est devant moi. Ça me perturbe. Je vais me dépêcher de me passer devant le nez. Tac, 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 on est bon, on a gagné, on a win. Parfait. Nickel. J'ai encore perdu. Prends ma deuxième médaille, je pars chercher. Il va enfin aller s'occuper de ses gosses, pas trop tôt, responsable. Mais voilà. Je vais choper la vie qui est derrière. Et voilà, on a les 10 pièces de puzzle de ce monde, on va pouvoir entamer le prochain. J'ai envie de récupérer tout le de musique, mais ça sert juste à rien en fait. C'est en face qu'il faut aller. Alors, vous voyez, là en volant. Où la dalle? J'ai eu de la chance. Je suis pas passé loin de la catastrophe. Pareil ici. On va se poser là et ressortir. Putain, j'ai réussi à y aller en volant. Tu sais que je vais ressortir en volant? Ah non. J'y ai cru. J'y ai cru. Donc nous nous rendons au prochain monde qui est la maison du monstre. Le manoir du monstre, en fait. Du monstre mauvais, du monstre fou. On va lire son anglais Mad Monster Mansion. Donc on va rentrer là-dedans. C'est là où on avait été pour débloquer le tableau de la vallée de Gobi. Voilà. On est tombé dans la bolo, dites donc. Championne, championne de PFR. Bon alors, à partir de là,
Disons que pour moi, Pic Polaire et Vallée de Gobi, c'est deux levels assez similaires en termes de difficulté. Et c'est à partir de... Là, ça commence à augmenter. Il y a quelques trucs difficiles, mais ça va. Et les deux derniers mondes, surtout l'avant-dernier, c'est très très dur. Donc ça, ce monde-là, il est un peu dark et tout, mais je le kiffe, la musique, elle est pas mal. Même l'île de celui d'après, elle est encore mieux, vous verrez dans quelques semaines, du coup, je pense. Si vous voulez regarder en live, bien sûr, enfin, avec le rythme de diffusion, sinon, allez check la prochaine, une des prochaines vidéos. Voilà, on va pouvoir commencer. On ne va pas se focus sur les notes de suite, je pense que c'est pas mal. Je vais commencer par là où je connais. Je vais pas péter des yeux. Non, on tape. On va donc descendre à la cave. C'est des idiots qui ont osé s'incruster. Je vais mourir à grand coup de pied. Donc il y a des fantômes, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est... Mon dieu, c'est de l'invincibilité. Donc je dis qu'on tentait pas ça. Alors là, en fait, il y a des tonneaux. Et il y en a un qui ne s'ouvre pas. C'est parti. Des choses que je vous montrerai plus tard. Normalement. Tac. Première pièce de puzzle. On a rushé, on a vraiment rushé les premiers niveaux. Mais c'est vrai que à bout d'un moment, je les rush plus du tout. Vous l'avez vu avec la vallée de Gobi, c'était infâme. Y'a rien là-dedans. Y'a des œufs. C'est tout, il a que deux bandes de radins. On ressort de la cave. Je sais plus ce qu'il y a ici. Je me rappelle plus trop. Ah, il y a encore le monstre. Ah mais je me brûle avec Foufou. Ok, très bien, je me fais mal à cause de ça. Les bons bails. Voilà, ça c'est fait. Ok, y'a rien de bien intéressant ici. Je prends beaucoup plus mon temps que dans les premiers levels. Non mais... Ah salut toi. Parce que eux sont immortels bien sûr. Enfin je crois. Bon, y'a rien de bien intéressant ici. Pièce inutile en somme. Mais putain, c'est bon là. On va pas rentrer. On va pas rentrer de suite. Parce que c'est par là qu'il faut passer. Ça, je m'en souviens. Donc on a un ours de gouttière, hein, bien évidemment. C'est cool ça. C'est bon, tomber c'est moins cool, mais... C'était plutôt sympa, alors. Est-ce qu'on peut... On n'a pas envie de t'accrocher. Si, ça y est. Alors là, oui. Vous ne rêvez pas. Ce n'est pas une blague.
Il y a véritablement des toilettes. Toilettes et en plus... Il parle, vous allez voir. Ça cause. Une baignoire dégueu, bon d'accord. Beurre, c'est dégueulasse. Tu es trop gros pour rentrer dans la bouche de Logo. Comme si j'avais envie, tu vois. Enfin, j'ai pas des masses envie d'entrer dans ta bouche. Merci bien de la proposition, mais c'est pas allé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'il faut péter toutes les fenêtres, c'est obligatoire. Enfin, pas tout. Tiens! Est-ce que là, en fait, si vous regardez bien, il y a une alvéole. Et qu'on peut pas aller chercher maintenant. Parce que nous sommes trop gros. Donc je pense que vous avez compris qu'on va faire une autre transformation. Pas tout de suite. Parce qu'on a bien d'autres choses à faire avant. Non. Oh, la déception, j'en ai marre. Ah, c'est celui-là que je monte tout de suite. Non. C'est celui-là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. On va récupérer le Jinjo au-dessus du lit. Si on y arrive. Voilà. Y'a rien là-dedans. Y'a un coffre, on peut pas l'ouvrir. Ça me stresse. C'est l'ordre de choses que j'aime pas du tout. T'as un truc, t'es censé pouvoir l'ouvrir, non? C'est pas très juste quand même. C'est pas fair play. Le rêve. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait aller de ce côté-là. Donc, on va passer par la cheminée parce que nous sommes le Père Noël, hein, bien sûr. Donc là, je crois que le but, c'est de pas faire de bruit. Voilà, ça c'est niqué. Dommage, la peur est réveillée. J'entends quelqu'un ramper. Du coup, voilà, en fait, on doit aller lui voler une pièce de puzzle, mais on peut pas si. Si on n'est pas discret. Si on n'est pas discret. Un ours, c'est pas genre le truc le plus discret. C'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui. C'est pas possible, c'est pas discret. On n'est pas discret. Tac. Passons de l'autre côté. Il fallait évidemment qu'on se faille, alors, mais moi ça m'étonne même pas. Hein. Je suis dégoûtée, j'ai fait. Il va aller sur une autre chaise sur le côté. Fuck, quitte le jeu. J'en profite pour tenter, je vais tenter des trucs que j'ai jamais tenté. Oui.
Parce que du coup, ça peut être intéressant, par exemple, justement, d'essayer de foncer comme ça, là. Est-ce qu'il entendra pas, justement, vu qu'on a les pattes du piaf? Je me suis comprise. Vous, je pense un peu moins, mais... Nickel. Et voilà, on a réussi. Lord Grunty, tu as dérobé, elle sera furieuse, elle va me tuer. Oui, c'est possible. Je suis furieuse sans aucun doute, avec ta tête, je vais jouer au foot. Génial. Allez. Une relou de fête. On va prendre ça quand même. Si jamais on ne meurt pas. Ce qui n'est pas très probable. Enfin, il n'est pas très dangereux, il n'y a pas trop de monstres. Par rapport à... Allez, le gobi, putain, je suis bête. Il y a un truc à récupérer. Je crois qu'il y a une alvéole dans le lustre. Ah non, c'est une vie. De toute façon, il y a toujours quelque chose avec les lustres. Toujours. Ok. C'est tout. On va aller à l'église. Ouais, les gens, nous, on va à l'église. On est comme ça. Oui, une porte, mais... Hein? Je crois que j'ai pas assez d'eux pour faire ça. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Et en fait, il y a un débat monstrueux sur le fait qu'ils disaient... qu'ils diraient peut-être... Je dirais peut-être fuck you à la place de thank you. Thank you. Ah, ça rebondit. Plutôt triste. Ah, je l'ai récupéré. Donc ouais, on plante des fleurs avec des œufs, nouveau concept. Je sais pas d'où il peut parler parce que bon, c'est un peu honteux, il a pas tellement de bouffe en fait. Ça me stresse. Ça fait quand même 4 coups parce que mon attaque est pourrie. Ok, là voilà, on a récupéré une pièce de puzzle. Voilà, ça c'est fait. Il me semble que c'est comme ça qu'on fait. Ouais, que ça glisse de ouf, c'est des tuiles. Ça glisse, c'est des tuiles. Donc il y a la maison de Mambo est là. Quand on voudra aller se transformer. Franchement, je sais pas si vous avez jamais joué. Devinez la transformation là. C'est vrai que c'est quelque chose de petit. C'est assez chaud. Essayez de deviner, dites-moi dans les commentaires parce que je ne le ferai peut-être pas dans cet épisode, ça m'étonnerait. Il me reste une minute et quelques. Lamentable. Allez. Allez. Rentre dans le rouge. Ah si, une dalle de super saut. Il y en a forcément une pièce de puzzle en haut.
Et voilà, tac. Ouvrir la porte de l'église, alors je ne me souviens plus où on fait. Je vais voir un interrupteur quelque part, il faut se grouiller, je crois que c'est le délire. On verra bien. Bon, celui-là, je vais le faire. Non, je vais pas le faire maintenant. Parce qu'on va plus avoir trop de time. Regardez, c'est une appel facile à choper, vite fait. Je pense que... pas mal. Hop là. On va essayer d'aller dans l'église. Voilà, on arrive dans l'église. Nickel, nickel, nickel. Donc du coup, moi, je vais vous laisser la pour cet épisode. On se retrouve dans l'épisode 11 pour continuer ce niveau. En plus, il ne manque plus qu'un seul Jinjo. Je reprendrai où je me suis arrêtée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laissez un commentaire, likez, partagez, comme d'hab, vous abonnez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.